Et salut à tous, c'est Florent de Guitare Impro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tuto de Bernard Lavilliers, Stans et Ghetto, enfin. Oui, j'ai plus mal à ma main, donc ça va déjà beaucoup mieux, tant mieux. Merci à Didier pour cette proposition de ce petit morceau très sympa. Alors attention, il y a des barrés, donc c'est un peu complexe pour les débutants, mais bon, vous allez voir, la mise en place c'est pas trop compliqué. Lâchez des petits pouces, des petits commentaires et tout ça si vous avez des questions, et on se retrouve pour les explications. Alors, pour le premier accord, on va avoir besoin d'un si mineur. On va devoir le faire en barré. Deuxième accord, on va avoir besoin d'un mi mineur. Alors, soit vous le faites comme ça, en mi mineur, soit vous l'enlevez, le mi mineur 7. Ok ? Ensuite, on va avoir besoin d'un fa mineur. Donc là, on a juste à décaler. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça ne change pas trop la position. Ça, c'est pour le fa mineur, 7 ou mineur, peu importe ce que vous voulez. Et ensuite, on va avoir besoin d'un la majeur. Ok ? C'est tout pour les accords. Allez, dans un premier temps, on passe au couplet. Alors, pour les accords, on a besoin d'un si mineur, d'un mi mineur et d'un fa mineur. Ok ? Maintenant, c'est en fait la rythmique qui va nous poser problème. Les accords, une fois que vous les avez, ça va. C'est la rythmique la plus dure. Vous allez juste en fait déjà vous entraîner à faire un étouffé, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de son quand vous grattez. C'est pas un schlack, comme on a l'habitude de faire, c'est un étouffé. C'est-à-dire que vous posez votre accord, et vu que c'est un barré, en fait, il ne va pas y avoir de son, en fait. Hein. Si vous relâchez la pression, c'est-à-dire que vous laissez à peine votre main posée sur les cordes, et du coup, vous n'avez pas de son, et vous faites ça. C'est quand même assez simple. Voilà. Il ne faut pas que ça fasse... Ah, c'est pas beau. Hein. Donc là, on s'entraîne déjà à faire des étouffées. 1, et 2, et 3, et 4, et... Ok ? C'est assez simple. Maintenant, ce qui est dur, en fait, c'est de presser au bon moment. Donc, en fait, il faut presser au temps 2 et au temps 4. Juste le temps 2 et le temps 4. Hein. Le « et », on les oublie. Temps 2 et temps 4. Donc, quand vous pressez, ça donnera ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et. OK ? Et forcément, après, bien sûr, il faudra changer d'accord. Donc, ça, c'est que pour le si mineur. On fait 1 et 2 et 3 et 4 et. Là, on va devoir changer d'accord. Attention, du coup, quand vous allez changer d'accord, vous faites exactement la même technique pour les deux accords qui suivent, sauf qu'on va casser un peu ce qu'on vient de faire. On a fait 1 et 2 et 3 et 4, et bien sur les 4 temps, il va y avoir deux accords. Donc ce qu'il fera, 1 et 2 et 3 et 4 et. Bien sûr, on coupe en fait tout en deux. Je remonte dans l'ensemble. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Et ensuite, on change. Profitez en fait du temps de la remontée et des blocages en fait hein, pour vous placer sur l'accord qui va suivre en fait. Hein. Vous avez du temps, regardez. 1 et 2 et 3 et 4 et là vous commencez déjà à changer pendant que vous grattez en même temps. 1 et 2. Vous voyez, ça vous laisse un peu de temps en fait pour amener l'accord suivant pendant les étouffées en fait. C'est ça qui est assez pratique en fait dans ce morceau. Bien sûr, après il faut bien le placer. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Ok ? Ça, c'est pour le couplet. Maintenant, on passe au refrain. Alors pour le refrain, en fait, dans la rythmique, il n'y a rien qui change, hein, ce sera tout le temps pareil. C'est juste les accords qui vont durer un petit peu plus longtemps. Donc le premier phrasé, on va commencer par le si mineur. Et au lieu de faire juste 1 et 2 et 3 et 4 sur le si mineur, on va juste le doubler. Donc on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et on changera. D'accord, donc le si mineur va se jouer comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Là, on va devoir du coup changer d'accord pour le fa mineur. On fait exactement la même chose, on double en fait, hein, toujours. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, on va passer au mi mineur. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Bien sûr, on le double hein, aussi, hein, pareil. Et là, du coup, la mesure, elle va repasser normalement, hein, comme on l'avait fait tout à l'heure pour le premier accord. On va passer sur le La majeur et on va faire 1 et 2 et 3 et 4. Et là, on va devoir changer directement, revenir sur notre accord de Fa mineur. 2 et 3 et 4. Et. Donc en fait, on a recoupé, hein, d'accord ? Je le remonte dans l'intégralité et vous n'avez plus qu'à vous caler. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 1 et 2 et 3 et 4 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 et 1 et 2.
maintenant, on passe à la seconde partie du refrain. En fait, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas grand-chose qui change. C'est juste qu'en fait, les dernières mesures, elles vont changer un tout petit peu en fait, de composition. On ne va plus les faire durer 8 temps, mais 4 temps. Vous allez voir. Donc, en fait, le si mineur, le premier, vous allez le faire durer 8 temps en total, hein, comme tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir le fa mineur qui, lui, il va durer 8 temps aussi. Et là, il y a un petit changement. Au lieu de faire le mi mineur 8 temps, on va faire le mi mineur 4 temps. Et ensuite, le fa mineur 4 temps. Ensuite, on va revenir sur un si mineur 4 temps et un mi mineur 2 temps et un fa mineur 2 temps. En fait, là, en fait, on va repasser comme sur le couplet pour après relancer en fait, le truc. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc, on va voir ça. 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 et 3 et 4 et 1 2 et 3 et 4 et c'est là en fait où ça change. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et on revient en fait sur ce qu'on avait vu au début. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 3 et 4. En fait ça change en fait, ça revient après sur le couplet. Sauf que là en fait il n'y a plus de chant. On le lance une fois pour après recommencer le couplet. Dans son intégralité, ça donnera ceci. 1, 2 et 3 et 4 et 1. 2 et 3 et 4 et 1 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 2 et 3